De ma vie, c'est le titre d'un documentaire consacré à Jean Anglade. Ce film qui durera 52 minutes retrace la vie de l'écrivain auvergnat. C'était aujourd'hui le premier jour de tournage à l'école du musée à Saint-Martin-des-Olmes. Tournage suivi par Christophe Jouvente et Alfonso Martinez. Dire l'orthographe du département. Combien la France compte-t-elle de départements? Lâché un écrivain de 96 ans dans une classe d'école reconstituée et vous réveillerez automatiquement la mémoire de l'ancien instituteur. Je me suis aperçu qu'ils ont su répondre à toutes mes questions de géographie, d'histoire, d'orthographe, qui n'ont plus rien à apprendre, ils savent tout. C'est merveilleux, des enfants qui savent tout. Dans la classe, près de 30 figurants, de vrais élèves habillés époque 1920 pour les besoins du documentaire. L'époque où Jean Anglade était lui-même soumis au dur régime de l'école de la Troisième République. Tout a changé, on ne bat plus les enfants, on n'a plus le droit. Il n'est pas question de leur tirer les oreilles, de leur tirer les cheveux. Je pense que c'est dommage, hein. Il ne faut pas exagérer naturellement. Il ne s'agit pas de brutaliser les enfants, mais de tirer un peu les oreilles, tirer un peu les cheveux, ça n'a jamais fait de mal à personne, jamais fait de mal à aucun enfant. Pour manger pour vivre, et non pas vivre pour manger. Deux réalisateurs ont donc décidé de retracer une partie de l'enfance du futur instituteur, devenu professeur de lettres, écrivain, historien, auteur d'une cinquantaine de romans. On avait fait un film sur le Puy-de-Dôme au départ, qui s'appelait « Le manuscrit du Dôme », où on avait déjà travaillé avec Jean Anglade. Et le Puy-de-Dôme étant faisant partie du patrimoine du département, côté littéraire, j'ai pensé que Jean Anglade aussi faisait partie du patrimoine. Et après l'avoir rencontré, après avoir discuté avec lui, je trouvais intéressant, même captivant, de l'interroger et de recueillir son témoignage. Les séquences comme celle-ci, tournées au musée de l'école de Saint-Martin-des-Olmes, serviront à illustrer les souvenirs de l'écrivain. Sortie prévue du DVD en novembre 2011.